Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et aujourd'hui je vais vous parler de Fortnite Battle Royale, donc quelques informations qui ont été fuitées, quelques leaks qui ont été découverts sur PC hein, bien sûr évidemment. Donc je tiens à faire une grosse dédicace à Bison officiel car c'est sur sa chaîne que j'ai vu ces informations. Il a fait une très bonne vidéo, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne si jamais vous ne le connaissez pas, je la mettrai en description. Alors ce YouTuber dit que il y a eu des leaks donc, que je vais vous mettre à l'écran. Donc, ça a été des fichiers de PC qui ont été trouvés sur le jeu Fortnite Battle Royale. Et en fait, on peut voir qu'il y a des nouveaux modes de jeu. Donc, on peut voir Sneaky Silencer et Rocket and Grenade. Donc, ça, c'est deux modes temporaires du jeu Battle Royale qu'on avait déjà eu auparavant. Donc, pas besoin de vous expliquer ce que c'était. C'était tout explosif et tout silencieux. Donc, voilà, c'était les deux modes temporaires qu'ils avaient mis. Alors, on peut voir qu'il y a 1, 2, 3, 4 autres modes de jeu temporaires qui n'ont pas encore été ajoutés à l'heure où je vous parle sur Fortnite. Donc, logiquement, ce seraient les futurs modes de jeu qui vont apparaître sur Fortnite. Donc, dans l'ordre, je ne sais pas du tout quel ordre ils vont le mettre. Mais en tous les cas, vous pouvez voir que le cinquième, juste en dessous de Sneaky Silencer, il y a marqué Sniper Only. Donc ça veut dire qu'on va avoir enfin le mode de jeu Sniper uniquement. Parce qu'on a eu... On a eu les roquettes, on a eu le mode silencieux. Eh bien, le mode sniper, franchement, ce serait jouissif pour tout le monde. Tout le monde a envie un peu de faire que du snipe et s'exercer au snipe. Enfin, moi, personnellement, je suis super emballé par cette nouveauté. J'espère qu'elle arrivera bientôt. Bon, pas trop tôt non plus parce qu'avec la sortie de WW2, ça va être chaud que je fasse les deux. Mais en tous les cas, je suis impatient de tester ce Sniper Only et vraiment faire des games que au sniper et faire des putains de tirs dans la tête et m'éclater, faire des putains de rectes, etc. Donc voilà, je suis bien impatient. Après, on peut voir qu'il y a trois autres modes. Donc les trois autres modes sont écrits en allemand hein, parce que c'est un allemand qui a découvert ces fuites, donc ces leaks. Et en fait, je ne serais pas vraiment vous les transcrire. Mais Bison a regardé, a cherché par rapport à la communauté ce qu'il disait à propos de ça. Et en fait, pour le Fast Ring, il parle, donc Bison dit que la communauté pense que ça va être un mode de jeu de rapidité. Donc soit on va être plus rapide pour tirer avec nos armes, la rapidité de nos armes seront plus rapides, ou alors notre personnage avancera plus rapidement, donc sera plus rapide dans les déplacements, ou alors le troisième possibilité c'est que ce soit la zone qui soit à une vitesse rapide, une vitesse plus rapide en fait. Ou peut-être même que la zone sera à une vitesse rapidité constante. Donc il n'y aura pas, genre, elle ne se stoppera pas pendant genre 3 minutes. Elle continuera tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, c'est des possibilités, hein. Personne ne sait vraiment ce qui va en être. Alors ça c'était pour Fast Ring. Alors maintenant on va parler de Lot Salot. Donc Lot Salot, eux, la communauté pense que ça va être soit un mode de jeu où il y aura moins de loot, ou alors plus de loot, ou alors que ce soit des loots genre que de légendaires, ou que de épiques, ou que des grilles, tu vois. Donc voilà, c'est par rapport au loot. Donc le deuxième. Alors le dernier qui est le Take to the Sky. Donc là, ce que la communauté pense, c'est que ce sera soit les bâtiments seront indestructible, ou alors nos constructions seront indestructibles et il va falloir faire avec. Donc dès qu'on va construire un mur, personne ne pourra le détruire et il va falloir s'adapter à ça. Ou alors ce serait carrément un mode de jeu où rien ne serait destructible, comme je viens de vous dire, mais qu'à la fin de la partie, la zone qui se rapproche vers vous, donc de large, elle se rétrécit pour arriver sur une zone minuscule, et puis cette zone-là restera en rond, elle restera rond, mais dans cette zone-là, elle va noyer en fait. C'est comme si la zone, elle descend du bas, elle montait, et nous, on doit construire pour rester en vie
Enfin, bien sûr, essayer de tuer l'ennemi en même temps. Mais si on est un contre un dans la petite zone en rond, eh bien, elle va s'inonder jusqu'à temps qu'elle inonde les deux joueurs. Donc voilà, ce serait vraiment pas mal. C'est des bonnes idées. Je trouve que la communauté a vraiment bien transcrit ces trucs-là. Je pense qu'il y a fortement possibilité que de ce que je vous ai dit, ce soit possible, hein, dans les nouveaux modes temporaires. Donc je suis vraiment impatient qu'ils nous fassent une annonce officielle de tout ça. Parce que bon, là, c'est dans les leaks. C'est possible aussi qu'ils ne le font pas, qu'ils les enlèvent. C'est pour ça que ce ne sont que des leaks, hein. C'est possible que ça ne se passe pas. Mais voilà, c'est dans les cordes sources du jeu. Et je pense fortement que le Sniper Only, il y sera. Après les autres, je ne sais pas. Mais voilà, je suis impatient de découvrir ça. Donc n'hésitez pas à me dire en description ce que vous pensez de ces modes de jeu. Vous pouvez aussi essayer de dire ce que vous pensez par rapport à la traduction de ces modes de jeu, parce que comme c'est en allemand, vous pouvez essayer de les traduire et en dire plus dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à partager ça avec la communauté. Bon, moi, j'ai fini la vidéo, je regarderai vos commentaires, j'essaierai de répondre. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de partager cette vidéo aussi pour m'aider à évoluer sur YouTube, hein. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir, et surtout abonnez-vous si c'est pas déjà fait, les potos. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Allez, ciao. Peace.